C'est fascinant. Ouais. C'est colossal. Pendant que les quatre amis en prennent plein les yeux, leur palace sur rail se refait une beauté. Chaque matin, après leur départ, Faizan, leur valet, remet en ordre leur voiture. Ah ben voilà. Extraordinaire. Victoria Station. Ça a été inauguré en 1887. Incroyable. C'est une des plus belles gares du monde. Voilà. On s'imagine partout, sauf devant une gare. Oui, c'est vrai que ça fait plus monument... On dirait un musée, oui, effectivement. Ben, faut se dépêcher. L'enregistrement du train, c'est dans 20 minutes. C'est un voyage dont il rêve depuis toujours. En Inde, dans la bouillonnante gare de Mumbai, Eric, Catherine, Jean-Paul et José s'apprêtent à embarquer dans l'un des trains les plus luxueux du monde. On n'a pas encore vu le train. Donc, tant que je ne le vois pas, je n'y crois pas encore tout à fait. À droite. Eh bien, on va à droite. Ben voilà, une arrivée princière. Sur le quai, un accueil traditionnel est réservé aux deux couples d'amis et à la soixantaine de privilégiés qui passeront une semaine à bord du Deccan Odyssée. Ah ben le voilà. Un palace sur rail de 21 wagons. Pour tous, cette aventure est une grande première. C'est assez excitant. Il y a peut-être un cri, mais moi, je me fais pousser la moustache et je me transforme en Hercule Poirot. Ah oui, bonne idée. Le nom des wagons est écrit ici et le vôtre est par là. Okay. Les quatre amis vont parcourir plus de 2000 km à travers le pays des couleurs. Le train, c'est la promesse d'un voyage vers l'inconnu. Mais l'aventure, la vraie, est en fait à son bord. Allez, allez, notre aventure. Eric, Catherine, Jean-Paul et José vont parcourir tout l'état du Maharashtra, au sud-ouest de l'Inde. À bord de ce train, élu le plus prestigieux d'Asie. Oh. Thank you. Un vrai tableau indien. Ils vont profiter de services 5 étoiles et visiter les joyaux du patrimoine indien, uniquement accessible en train. Regarde, c'est colossal. Je ne connaissais même pas l'existence de ce site. C'est ça qui est incroyable. Là, à gauche. Mais tous les trains n'ont pas un tel niveau de luxe. Aux Antipodes, Jules et Marine, un couple de trentenaires baroudeurs, vont découvrir le charme authentique et les galères d'un train populaire en Tanzanie. C'est route, ça. C'est local. Ouais, c'est local. Au départ de Dar es Salaam, la capitale économique, ils vont traverser ce pays d'Afrique d'est en ouest pendant près de 3 jours en tortillard. Chers passagers, le train arrive à la gare de Kikombo. Le prochain. Conditions spartiates, débrouilles, rencontres étonnantes et au terminus, la réalisation de leurs rêves. Là, le voyage en train prend vraiment sa saveur maintenant. On est encore plus excités d'être là parce qu'on a fait ces 3 jours-là. J'attends d'avoir les pieds sur terre pour encore plus réaliser, mais ouais, je commence à réaliser. Ah, c'est cool. Ça y est, on y est. Jules et Marine accéderont au parc de Gombe pour tenter d'apercevoir les chimpanzés qui vivent à l'état sauvage. Mais avant d'en arriver là, ils devront surmonter des mésaventures qu'ils n'auraient jamais imaginées. Départ pour un long voyage au fil des rails. On est juste à côté de la gare en fait. On est genre à 800 mètres. Parfait. Tout droit ? Je sais plus si c'est tout droit ou à gauche là. Dans la ville trépidante de Dar es Salaam, Jules et Marine font leur premier pas en Tanzanie.
Ce couple de Montpelliérains souhaite traverser tout le pays à bord du plus vieux train populaire tanzanien. Seuls les locaux l'empruntent, alors trouver la gare de départ est déjà un défi. À gauche. Excusez-moi, monsieur, bonjour. Vous savez où est la gare ? Par ici ou par là ? La gare, elle est par là-bas. Vous voulez acheter un ticket ? Non, non, c'est bon, je l'ai déjà. On y va. Let's go. Thank you very much. Merci beaucoup, au revoir. Ça y est, c'est le jour du départ. C'est le jour du... Moi, je suis surexcitée. Vous imaginez que le train est comment ? Ce sera la surprise. Peu importe, le plus important, c'est que j'espère qu'on va faire des chouettes rencontres. Ça, j'en doute pas. Mais non, je sais pas, j'arrive pas trop à imaginer. Sachant qu'il y a que 2-3 trains par semaine, j'imagine la gare comme un peu bondée de gens, un petit peu la cohue, un petit peu de, ouais, de foule, quoi, de vie, ouais. On est pas loin, là, je crois. Ouais, je pense. Elle est là, la... Jules, elle est là, la gare. On est passé devant. Ben oui. Ah, c'est elle, là ? Ben oui. Et puis, on dirait pas une gare. Ah, c'est ce bâtiment-là ? Ouais. Y a pas grand monde et c'est fermé. Ouais, ça a l'air fermé. T'es sûr que c'est là ? Ben oui, je crois. Ah, si, c'est là, personne ne vient. C'est bizarre. This is the railway. C'est bien la gare ici ? Oui, mais non, ce n'est plus là. Ah, bon, ce n'est plus là. Ah. Non, vous devez aller à la gare de Kamata. Ah, ok. En fait, celle-ci est en travaux depuis 4 mois. Ah, il la réhabilite. Oui, voilà. Ces petits aléas. C'est les aléas du voyage, c'est comme ça. Des petites surprises. Allez, merci. Bye. Au revoir. Bye. Heureusement qu'on a pris un peu d'avance. Du coup, taxi ? Taxi, il y en a un là, regarde. Let's go ? Ouais, allez. C'est ça ? Improviser, c'est la force de ces passionnés d'aventure. Immédiatement plongé dans le rythme à l'africaine. On y sera dans combien de temps ? Il faut 7 à 10 minutes. Okay. Et 17 minutes ? 7 à 10 minutes. Ça va, on est large. On se reste pas. On s'adapte à la culture. Il y a toujours des solutions. Ouais. On vient chercher ce rythme un peu tranquille. Polo-polo. Détente, polé-polé. Polé-polé, pas polo-polo. Polé-polé. Ici, ils disent polé-polé en Tanzanie. Polé-polé, ouais. Pour dire tranquille, doucement. Vous connaissez la chanson ? Jumbo, Jumbo, Wana. Jumbo, Jumbo. Vous la connaissez ? Oui. Je l'adore, c'est ma chanson préférée. Jumbo, Jumbo sana, abarigani. Suri sana, kewayegu, akuna matata. Pas de problème, akuna matata. Ça veut dire tout va bien en Tanzanie. L'heure du départ du train approche et la nonchalance tanzanienne n'a pas fini de leur jouer des tours. Namasté mesdames, namasté messieurs, bienvenue à bord. Je m'appelle Faizan et je serai votre valet pendant tout votre voyage. À bord du Deccan Odyssée, les deux couples d'amis découvrent les cabines haut de gamme dans lesquelles ils vont passer 8 jours. Voici votre cabine. Ok, waouh. Ah oui, 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 c'est parfait. Ce séjour coûte près de 4000 euros par personne. Grâce à une réduction sur un site internet de voyage dégriffé, ils ont pu se l'offrir à moitié prix. Là, c'est l'écran de contrôle de la climatisation qui vous indique la température de votre chambre. Si vous avez besoin de moi, appuyez juste sur le bouton 1 et vous serez directement en contact avec moi. Ok. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a une douche. Et vraiment, vous avez tous les produits comme dans un hôtel de luxe. Gel douche, le shampoing. Il y a vraiment de tout. On se sent carrément privilégié, oui. Voilà. Bon, écoute, c'est sympa. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les placards. Dans la cabine voisine, où sont les placards ? Eric et Catherine aussi prennent leur marque. Non, c'est derrière. C'est là, Catherine. Tu vois, toutes tes robes, tu vas les mettre là. Voilà, ça va être compliqué. Hein. Ça va être vite fait, à mon avis. C'est parfait. Alors là, c'est vrai. Et ici, le luxe, c'est d'avoir 2 vrais lits, voilà, d'avoir de la place, parce que la cabine est quand même grande. Je m'inquiétais un petit peu. Elle est décorée chic et sobre. Voilà, chic ça, et sobre. C'est ce qu'il nous fallait, comme nous. Comme nous. Mesdames et messieurs, relaxez-vous et profitez du train. Bienvenue et bon voyage.
On a déduit que l'apéritif, c'était maintenant. On va aller au bar, voir. Alors. Ça bouge, hein. Ça bouge. Pour rejoindre le bar, la petite équipe doit traverser 9 wagons. Ah, mais tu vois, ça, c'est une bonne idée. On va mettre tout ça dans un petit train. Ils commencent à goûter au plaisir de leur palace sur rail, à des kilomètres d'un train classique. C'est magnifique de voir une belle table pour café. On a fait un grand voyage quand même. Thank you. Non, je ne compare pas au TGV. Là, c'est très sympa. Si, c'est tout à fait l'inverse. Moi, c'est plus ce côté escargot. Parce que comme escargot, on emmène sa maison avec soi et c'est formidable, ça, de pouvoir faire des excursions. Et j'aime la salade, oui, j'adore la salade. Mais c'est vrai que descendre en excursion, partir, revenir et retrouver toutes ces petites affaires bien rangées, c'est très agréable. Moi, c'était ça que je cherchais. Allez, allez, santé à notre aventure. Ce soir, Eric, Catherine, Jean-Paul et José vont passer leur première nuit à bord. À leur réveil, ils vont découvrir l'un des trésors méconnus de cette région. Et voilà la gare. Donc c'est ici ? Oui. Parfait. Merci beaucoup. Oui, ça n'a pas l'air d'être le même délire, cette gare. En Tanzanie, Jules et Marine, eux, en sont toujours à la case départ. Là, là. À gauche. C'est ça, tu crois ? Le train, tu crois ? Réel, ouais. Parce que tout le monde attend. Je pense que c'est là, hein. Ça ressemble pas vraiment à une gare. Ils ont mis des tables, un petit toit provisoire. C'est une des gares les plus atypiques qu'on ait vues pour l'instant. Ouais, c'est sûr. Ça commence bien. Bonjour. Bonjour. Le couple rejoint enfin les autres passagers. Ils seront près de 1000, essentiellement tanzaniens, à prendre le train, les bras chargés de bagages. Allez, c'est votre tour. Allez. Allez, voyons voir. Pourquoi vous pesez nos sacs ? C'est un très long voyage. Les gens avaient pris l'habitude de prendre trop d'affaires. Alors on a restreint le poids autorisé dans le train. Il pèse 20 kilos, j'en suis sûr. Ah, 22. C'est bien ce que je pensais, j'ai 22 kilos. 22 kilos ? Là, devant, derrière. Je pense que c'est plus toi la fille, là. Hein ? 22 kilos sur deux sacs, toi, ouais, deux mais dans un sac. Le matériel photo et les affaires, donc... Allez ! Le tortillard et ses wagons des années 60 entrent enfin en gare. C'est route, ça. C'est local. Ouais, c'est local. Et là, bah, c'est parti pour 3 jours. 3 jours. Allez, let's go. C'est ce wagon-là ? Ouais. Vraiment ? Oui. Jules et Marine s'apprêtent à passer 3 jours et 2 nuits en seconde classe. T'as Moussa qui passe tout juste. Tu es 3 là. Hello. La D, il faut chercher. La D, tu m'as dit ? Ah bah c'est là. C'est là ? Ouais, nickel. Ils ont déboursé 22 euros chacun. Ah bah voilà. Ça y est. Bah nickel. Pour une couchette dans cette cabine. Ouh, on a la clim naturelle, musique. On est bien. J'espère que ça ne dure pas jusqu'à 3h du matin quand même. Il y a de l'eau. Ça marche, je crois. Ouais. Nickel. Il suffit pour se passer un coup sur la tête. Oui, il y a 3 jours, ça va. C'est très sommaire, mais... On va juste y dormir, le reste du temps, on va vagabonder dans le train. Et on va regarder plus en détail. Ces deux baroudeurs ont un objectif précis. Traverser toute la Tanzanie d'est en ouest pour aller observer des chimpanzés à l'état sauvage dans le parc de Gombe, où la célèbre primatologue britannique Jane Goodall les a étudiés. On va avoir envie de faire 3 jours de train pour aller jusqu'au bout, refaire 3 jours de train dans l'autre sens. Juste pour voir des chimpanzés. Juste pour voir des chimpanzés. C'est un petit rêve, c'est un gros rêve. Vraiment, j'ai jamais vu de chimpanzé de ma vie. Je suis fan des singes depuis toute petite. C'est carrément un rêve de petite fille qui se réalise pour moi. Et... Peut-être que je verrai Jane, je sais pas, ce sera un deuxième rêve. Mais déjà, de marcher sur ses pas, pour moi, c'est incroyable. Et c'est une chance inouïe. Je suis contente de faire ce voyage en train pour aller dans ce parc, quoi, dans ce fameux parc. Ah, ça y est, on va.
Pour atteindre leur but, Jules et Marine vont parcourir 1250 km sur les rails. C'est beau la lumière, hein ? Ouais, c'est trop beau. Et vivre au rythme des 65 arrêts qui les séparent du terminus. Ils ne le savent pas encore, mais le voyage ne va pas se dérouler sans accroc. Et il va falloir improviser. En Inde, en revanche, l'improvisation n'est pas au programme. Après avoir parcouru 400 km, le Deccan Odyssée s'éveille en douceur à Aurangabad. Good morning, ladies and gentlemen. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à Aurangabad, la ville fondée par le 6e empereur mongol, Aurangzeb. Nous allons vous emmener à 30 km d'ici, sur le site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, Ellora. Nous espérons que vous avez bien dormi et que vous profitez du petit déjeuner. Votre café ? Tout le monde prendra un jus d'orange pressé ? 3 jus, s'il vous plaît. Là, j'ai pas bien dormi. Moi, je m'attendais à être... Ah oui, tu t'attendais à être dans le train. Et je suis un peu déçue. Nous sommes entrés en gare assez tôt. Donc, l'expérience d'une nuit dans le train, ce n'est pas encore réalisé. Le programme de leur journée d'excursion devrait leur redonner le sourire dès la sortie du train. Bah nous, on est prêtes à danser. Hein. Ça y est. Ah oui. Et donc de voir ces messieurs ici. On voudrait que nos hommes se mettent des turbans comme ça. La locomotive a déposé ses passagers au plus près de l'une des merveilles de la région du Maharashtra, à l'ouest du pays. Magnifique. C'est incroyable. C'est dingue. Les grottes d'Ellora. Le temple de Kailash, dédié au dieu Shiva, est le chef-d'œuvre du site. C'est un peu l'Olympe hindou. Ah, je dirais que c'est le Petra hindou. Oui, aussi. Taillé à même la roche pendant près de 200 ans, c'est le plus grand monolithe sculpté au monde. S'il vous plaît, la construction commence en haut et ça termine en bas. Hein? Imaginez qu'il y a une montagne ici, un rocher, hein, au 8e siècle, et on décide de creuser, d'y creuser un temple avec les simples outils de marteau et de ciseaux. C'est vraiment magnifique. Je ne connaissais même pas l'existence de ce site. C'est ça qui est incroyable. On parle de Petra tout le temps, on ne parle jamais de ce site. C'est curieux quand même. Et c'est le train qui vous y emmène. Eh oui, ouais, notre fameux train. Non, it's for me, for me, for me, formidable. Oh, regarde, c'est fascinant. C'est colossal. Pendant que les quatre amis en prennent plein les yeux, leur palace sur rail se refait une beauté. Chaque matin, après leur départ, Faizan, leur valet, remet en ordre leur voiture. Je change les draps tous les 2 jours. Dans un palace, vous avez beaucoup d'espace pour faire le lit. Dans le train, c'est tout l'inverse. Et puis, nous roulons tous les jours, donc cela génère beaucoup de poussière à l'intérieur. Et on doit constamment nettoyer. Travailler ici, un rêve devenu réalité pour ce jeune homme de 24 ans. J'avais vu sur Internet une vidéo de l'Orient Express et j'ai trouvé ça dingue. Donc j'espérais que ce genre de train existe à Mumbai aussi. Et voilà, c'est prêt. Faizan fait partie de l'équipe depuis 3 ans. Et pour être à la disposition des clients à tout moment, il dort juste à côté. Voici le lit superposé et nous sommes 2 valets à dormir ici. Mon lit est ici en haut. Je dors bien, même si ça bouge un peu. C'est plus pratique pour nous de dormir près de nos passagers. Cela nous permet d'arriver très vite pour les servir. Ça sent la cannelle. Je pulvérise ce parfum sur la moquette. Comme ça, quand les clients reviendront à bord, ils se sentiront bien. Au retour des voyageurs, accueil 5 étoiles,
en toutes circonstances. Merci. Nous ne sommes pas des nomades du désert. Et donc, retrouver le confort et le luxe. C'est la table. Cet après-midi, ils vont pouvoir se reposer à bord. Waouh ! Ah, ça fait du bien. C'est parti. Avant de découvrir d'autres merveilles. Loin de cet univers feutré, Jules et Marine, eux, se préparent à une nuit mouvementée. Il est où ? Ah, il est là. J'ai eu des petits cafards. Il y en a un derrière. Il y a toujours des petites bébêtes, quoi. Je suis pas fan des petites bêtes non plus, mais ça va. Courageuse, quand même. Ouais, courageuse. Voyageuse. Mais après seulement 30 minutes de trajet, le train s'arrête brusquement à la sortie de Dar es Salaam. Qu'est-ce qui s'est passé ? On va aller voir, peut-être, non ? Et ils vont aller de surprise en surprise. Sur les rails tanzaniens, le train de Jules et Marine est stoppé sur la voie depuis 2h30. Il faut plus. Ça bouge là. Donne-moi d'abord ce caoutchouc, tu le mets et tu le maintiens fort, ok ? Les ouvriers s'affairent sur la locomotive. Mais à bord, les passagers sont dans le flou. Bon, on est bloqué. Ça fait pas longtemps qu'on est parti de Dar. On va aller voir ce qui se passe. Bonsoir. Ça va ? Alors, on repart ? Oui, enfin. Ils viennent de changer la locomotive. Ah bon, la première était cassée ? Oh oui, on n'avait plus de frein. Le système ne fonctionnait plus. Donc ils ont dû ramener une nouvelle locomotive de Dar es Salaam. Oui. Et maintenant, c'est OK ? Maintenant, cap sur Kigoma ? Oui, on peut filer vers Kigoma. Super ! Le train roule déjà avec plus de 5 heures de retard. Les deux Français et ce jeune passager vont devoir s'accrocher. Le train ne se renverse jamais ? Non. Mais ça va être comme ça toute la nuit ? Oui. C'est à cause des vieux rails qui ne sont pas droits. Le conducteur fonce là. Il tente de rattraper son retard. Enfin, de le minimiser, quoi. Ok, donc il va vite là. Oui. Ok. Ouais, mais doucement quand même. Alors que les voyageurs regagnent peu à peu leur pénate, le responsable de la sécurité fait sa tournée. Bonsoir. N'oubliez pas d'utiliser ce bâton de bois pour bloquer la fenêtre. Comme ça. La nuit, quand vous dormez, c'est mieux de bien bloquer. Voilà. Sinon, des bandits pourraient essayer de rentrer et de voler toutes vos affaires. Après cette soirée épique, il leur reste encore 2 jours à bord et les aventures vont s'enchaîner. Bien installé ? Nickel. Ça va ? Eh bien, bonne nuit. J'étais dans la loupe. Bon, bonne nuit, à demain. Sur les rails indiens, c'est sur un rythme plus contemplatif qu'Éric et Catherine poursuivent leur voyage. On aperçoit une montagne là-bas, au loin. Moi, je me sens hors du temps. On est en train de traverser cette Inde avec sérénité. C'est vrai qu'on pénètre dans l'Inde profonde, on assiste à pas mal de pauvreté. Et ici, dans ce train, c'est beaucoup de luxe. Donc il y a un complet décalage avec ce à quoi on assiste, ça c'est clair. Et ça vous fait quoi, ça, ce décalage ? Ouais, sentiment mitigé, bien sûr, sentiment d'être du bon côté de la vitre. C'est une chance pour nous.
Ils ont déjà parcouru plus de 1000 km et se dirigent maintenant vers Goa. 5 heures de libre, l'opportunité pour Catherine et José de se faire chouchouter. Ça va faire du bien de se faire masser le cuir chevelu. Je regrette un peu de ne pas avoir demandé, moi non plus, parce qu'elle va être toute jolie, toute belle. Catherine a la même coupe de cheveux depuis le jour de son mariage. 38 ans d'habitude. Alors, il y a une raie qui est là, je ne sais pas comment on lui dit ça, mais... A little... Et elle ne tient pas à ce que ça change. Voilà, c'est ça, yes. You won't bounce? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bounce? Vous voulez du volume? Non. Oh non, non, merci. Levez la tête, madame, vers le haut. Ok, vers le haut. Non, pas du volume. Malgré ses recommandations, Catherine n'échappe pas au brushing à l'indienne. Et voilà. Merci. De rien, madame. Ça vous plaît, Catherine? Je vais aplatir une fois dans ma cabine. C'est le volume indien. Oui, c'est ça, c'est le volume indien. C'est le volume indien. Et ce n'est qu'un début. Catherine et ses amis vont bientôt devoir s'adapter à la culture locale. S'adapter, c'est une nécessité pour Jules et Marine. Sur les plateaux tanzaniens, à l'aube, dans leur cabine, le thermomètre flirte déjà avec les 27 degrés. Tu as bien dormi ? Ouais. Un peu dur avec les... balancements. Moi, j'ai eu très très chaud, du coup, je me suis endormie vers 4 heures. Après, à partir de 4 heures, j'ai bien dormi. Il y avait un peu plus d'air, j'ai l'impression. T'as pas vu mon déo? Non. Je sais pas où il est. Il va trop du bien. Ça rafraîchit. Avec l'air, c'est cool. Ouais. Ça fait du bien. C'est une remise en question totale de notre quotidien. Rien que se laver les dents, c'est vraiment différent. Au début, ça a pu être un peu déstabilisant, les premiers voyages en train qu'on ait pu faire. Mais aujourd'hui, on s'est créé une nouvelle zone de confort qui fait qu'on se sent bien dans ce rythme-là. Après une toilette de chat, le couple de baroudeurs est bien décidé à profiter du temps qu'il reste à bord. Ils sont seulement au début du chemin, dans la région montagneuse de Morogoro, au centre-est du pays. Un petit truc à manger. Ouais, il y a plein de petits trucs là-bas. Je prendrais bien genre des fruits ou un truc comme ça pour petit déjeuner. Jumbo. Bonjour. Jumbo. Ça coûte combien? What is the price of this? 4 centimes. Merci. Je crois que c'est des sortes de petites cacahuètes salées. J'aime bien manger en voyage. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Oh bon. Les arachides sont la spécialité locale de ce petit village. Et ce beignet, le kitumbua, est le petit déjeuner typique dans toute l'Afrique de l'Est. Je goûterais bien les petits pains, là. Une espèce de petits pains, non? J'ai envie de goûter. Je pense que c'est une espèce de pâte de riz. Ah ouais? Tout. Deux, s'il vous plaît. 8 centimes. Ah, ça me fait ça. Merci beaucoup. On va tester, ça a l'air super bon, donc on prend quelques petits trucs et on va les tester. C'est original, hein, mais c'est cool, ça grouille de vie. Il y a plein de marchands, il y a plein de personnes, il y a plein de gens. Les gens descendent, montent. C'est un chapati? Non, c'est un miatatou. Je vais en prendre un, s'il vous plaît. Ça fait 4 centimes. Pas tous les jours qu'on descend du train et qu'on se prend son petit-déj, quoi. Ça nous permet de découvrir des aliments qu'on connaît pas. On peut ne pas aimer, hein. C'est bon? En remontant dans le train, Jules et Marine s'aventurent en 3e classe. Il n'y a pas de tomber. Jumbo. Bonjour. Il y a plus de monde ici. Ouais, plus de monde là. Jumbo. Bonjour. This. Pourquoi vous accrochez le pain de mie ici? Si on les met par terre, les paquets seront vite écrasés par les passagers. Alors on préfère les mettre en haut, c'est plus sûr. Ok. Et vous vous appelez comment? Mon nom c'est Rebecca. Et vous allez où? Je vais à Kigoma. Et vous, vous allez où? Je vais aussi passer quelques jours à Kigoma pour voir les chimpanzés.
Ah, au parc de Gombe? Oui, c'est ça. Vous connaissez? Vous l'avez visité? Oui, mais ce n'est pas facile de voir les chimpanzés. Et expliquez-moi, pourquoi vous êtes aussi nombreux dans le train? La population aime ce train parce que c'est le moyen de transport le moins cher du pays. Comparé au bus, c'est presque 3 fois moins cher. C'est pour ça que beaucoup de gens choisissent ce train. Salut, salut! À bord, une chose rassemble toutes les catégories sociales. La musique. Elle retentit dans tous les wagons. Qui s'occupe de la musique ici? C'est lui là derrière toi, avec le t-shirt jaune. Il dort. Bonjour. C'est moi qui suis en charge de la musique ici. Laisse-moi te montrer. Ah ouais, super. C'est la sono ici? Ouais, je règle tout d'ici. Et c'est vous qui faites les annonces du train aussi? Ouais, dans ce micro. Vous annoncez les 65 arrêts? Oui, tous, sauf la nuit. Je laisse les gens dormir quand même. Of course. Tu veux prendre le micro? Moi? Je peux le faire? Mais je ne parle pas swahili. En anglais, c'est bon. Alors ok, je vais le faire. Passagers, le train arrive à la gare de Kikombo. Tenez-vous prêts, près des portes avec vos bagages. Merci. On dit merci à ce touriste. C'était un Français qui vous parlait. On l'applaudit. En coulisses, d'improbables découvertes vont encore rythmer le voyage de Marine et Jules. Dans la salle du restaurant gastronomique du Décan Odyssée, l'ambiance est bien plus protocolaire. Ça doit briller. À l'approche du dîner, l'équipe de Rahman donne le tempo. Quand le train est en mouvement, nous faisons corps avec lui. Nous accordons nos mouvements sur les siens. C'est comme une chanson. Il faut garder les pieds bien écartés, entre 30 et 40 cm minimum. Parce que si vous restez les pieds joints, vous risquez de tomber à chaque instant. En fait, il faut trouver son équilibre. Ça bouge, hein? Je vais ouvrir la marche pour vous ouvrir les portes. Oh, mais c'est gentil. Pour être en accord avec l'esprit des lieux, ce soir, le quatuor s'est mis sur son 31. Ah, on est tout de suite là, voilà. Bonsoir, messieurs, dames. Comment allez-vous? Bien, merci. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Oui, en effet. Dormi son petit soir. Thank you, sir. Merci, monsieur. Au menu, un choix entre deux plats de résistance occidentaux et le plat national indien, le thali. Moi, je prends le thali. Oui, moi aussi. Un thali poulet. Un thali poulet. Vos boissons arrivent. Je vous les apporte dans une minute. En cuisine, dans un espace de 17 mètres carrés seulement, une petite brigade confectionne les mets des passagers. Là, je prépare un murk makhani. C'est du blanc de poulet, de la sauce tomate, du curry, de la coriandre en poudre, et de la pâte de noix de cajou. Ça, c'est joli. Bon appétit. Ça a l'air succulent. Ils sont marrants, les petits champignons mélangés avec les oignons. Est-ce que tout va bien? Oui, parfait. Et ce n'est qu'un avant-goût. Dans quelques jours, ils vont vivre une expérience bien plus exotique. Dans le train tanzanien, la cuisine, c'est une toute autre histoire. Vous me dites si je ne fais pas bien. Ouais, vas-y, coupe. Jules est passé derrière les fourneaux avec le chef Kondo. Comme ça? J'y vais doucement, là. Polé. Non, va plus vite. Allez, montrez-moi. Comme ça, sans regarder. Mais vous allez vous couper les doigts. Le cuisinier du train se trouve un nouveau collègue.
Et après, vous me payez, c'est ça? Je suis bien là, j'adore cuisiner, donc cuisiner dans un train en Tanzanie, qui l'eût cru, quoi. Ah, c'est bien d'avoir des petits jeunes pour m'aider. C'est la relève. How much, vous préparez combien de repas? Oh, 400 par jour. Wow. Elle a pas peur avec le feu quand ça bouge et tout? It's not difficult. Ce n'est pas trop dur de gérer les mouvements du train? The move? Non, ça va. No, it's okay. Non, ça va. Non, ça va. Ça fait 20 ans que je travaille ici. 20 ans? Waouh. Le plus difficile, c'est de gérer les stocks de gaz. Les grosses secousses. Et parfois, je manque d'huile de cuisson aussi. Tu sens bon. C'est trop cool de voir les cuisines du train. I will give. Bon, je vais servir. Chaud devant. Une omelette pour la 12. Pour vous? Là-bas? Yeah. Ouais, ouais, derrière, là-bas. Voilà pour vous. Okay. Souriez. Cool. C'est pour vous. C'est un petit cadeau. Pour moi, vraiment? Oui, oui. Oui, pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce moment. C'est trop fin. J'ai bien mangé. Merci. Chicken chips. C'est du poulet frites? Oui, et pour vous, poulet riz. Ils sont généreux, hein, sur la quantité. Ben, je pense qu'avec le cuisinier, on a fait du bon boulot. Hein. Tout le train doit être content, je suis sûr. Non, c'est super bon, le petit mélange. Après, lui, il les a fait revenir, etc. Mais c'est, ouais, c'est super bon, le petit mélange. Je propose qu'au retour, on aille essayer de manger à Space Mountain. Ouais, c'est ça. C'est un nouveau défi, voilà. Leur prochain défi, accéder à un espace du train interdit aux passagers. En Inde, les quatre amis aussi s'apprêtent à vivre une expérience inoubliable. La découverte de l'état de Goa. À peine sortis sur le quai, ils sont plongés dans l'ambiance latine de cette ancienne colonie portugaise. Avec un tel soleil et une fanfare pour nous accueillir, c'est super. Ça y est, on est parti au Portugal, là. Pour rejoindre le quartier historique, une demi-heure de bus les attend. L'occasion pour Jean-Paul de se livrer à sa nouvelle passion. Voilà. Regarde ça. C'est fascinant. Contempler le trafic indien. Voilà, ça vient de gauche, ça vient de droite, ça vient de toutes parts. C'est le chaos organisé. C'est-à-dire qu'on se demande, mais comment est-ce que ça va se passer? Et puis ça se passe toujours bien. Allez, boum! Mais la plus grande originalité de cet état se cache dans le vieux Goa, un quartier qui compte une dizaine de cathédrales, basiliques, églises et chapelles. Par ici. Toutes classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le bâtiment gauche, l'église de Saint-Francis d'Assisi, ça date du milieu du XVIIe siècle. Et c'était l'une des plus grandes cathédrales en Asie. À peine le temps d'admirer les lieux, le groupe doit déjà rejoindre le quartier latin de Fontanias et ses maisons coloniales. On se croirait revenu, je crois, 600 ans en arrière au Portugal. Vraiment, ces petites maisons très colorées, avec des jaunes qui ressemblent au soleil, des bleus magnifiques. Il y a partout aussi des noms portugais, Familia Gonçalves, donc c'est vraiment, c'est on se trouve vraiment au Portugal, alors qu'on est en Inde, ça c'est extraordinaire. Oh, c'est beau. Ouf. On va en retrouver ce soir. Le marathon se poursuit dans cette plantation d'épices, à la découverte des trésors de la nature de cette région indienne. Le plus fameux des épices, le poivre, hein, qui a incité tous les bateaux à passer en Inde, vous savez, de l'Europe, c'est ça. Et on peut le récolter deux fois dans l'année. Ah oui. Attention, ça pique. Et puis alors, costaud. Ça va? Produit dans l'eau, le trait.
avant de remonter dans leur train de prestige. Le Quatuor s'offre une dernière escapade sur les 120 km de plage de Goa. Ça va trop vite. Ouais. C'est un peu le principe du train qui va de ville en ville. Hein. On goûte un petit peu de chaque endroit, un petit peu de chaque ville. Alors forcément, on a toujours un petit goût de trop peu, toujours un regret. Mais on peut se dire qu'on reviendra. Voilà. C'est une invitation à revenir. À la gare, au même moment, les équipes sont à pied d'œuvre. Certains réapprovisionnent les wagons en eau et en cabine. Faizan, leur valet, prépare une surprise aux passagers. Quand ils vont revenir de leur visite, ils vont découvrir ça sur leur lit. Et en général, ça leur plaît beaucoup. Mais entre la mode indienne et les goûts français, il y a un gouffre que Faizan n'avait pas prévu. En Inde, une soirée à la mode locale se prépare dans le train. Ah, et bien voilà, une belle journée qui se termine, c'était superbe. Oui. Alors, des petites surprises. Ouh, des petites surprises, une petite tenue. Ah ben, c'est pas mal ça. Leur présent, voilà, des habits traditionnels indiens. Une kurta pour les hommes. Ah oui, dis donc. Et un sari coloré pour les femmes. Ça va être une très grande première. Je sens qu'on va bien rigoler. Ouais, ça va être amusant. Ah, ça va être drôle. Ça doit être un pantalon. Alors ça doit être un pantalon. Ils m'ont mis du 44. Je ne sais pas comment je dois interpréter ça. Ouh, le tour de taille, dis donc. T'auras de la place, je pense. Moi, je veux bien, mais là, c'est carrément pas possible. Tu as de quoi Mais ce serait parfait pour Jean-Paul. Là, je peux pas. Ça va être mignon. Oui, mais enfin, on va faire bout. Et oui, voilà. Non, là... Regarde, c'est tout petit maintenant. Oui, tu crois que c'est comme ça? Bah oui, c'est comme ça. Dites-moi, c'est normal Attendez, je vais passer. C'est normal le pantalon d'Eric? Pantalon, c'est le même. Hein. C'est non, mais c'est normal que ce soit grand comme ça? Ben oui. Le problème, c'est qu'on en met quatre comme moi. C'est normal. Ah, c'est normal. Il faut que ça soit aéré. Ah, ben ça pourrait être aéré, là. Ouais. Aéré. C'est aéré. Le porter sur slip, c'est encore mieux. Hein. Ah. Ah, ben je vais peut-être faire ça ce soir. Ah, mais j'avais pas pensé. Ah, c'est de mieux en mieux. Mais moi, le problème, c'est que j'ai horreur du violet, donc il va falloir faire quelque chose, parce que... Yes. Oui. Vous avez d'autres couleurs de sari? Well, I don't know. Ah, je ne sais pas, mais... OK. Oui, OK, merci. Thank you. Je peux entrer? Entrez. Ah, oh, voilà. Nice. Ah ben voilà, je prends le noir. Ah bah oui, hein? Très bien. Voilà, super. On est pareil là. On ne sait vraiment pas comment on peut mettre un morceau de tissu pareil. On va voir, ça va être l'expérience. Les voyageurs français vont vite devoir apprendre à enfiler leurs tenues indiennes. Ce soir, la compagnie organise une fête Bollywood à bord du train. En Tanzanie, Jules et Marine sont loin des costumes d'apparat. Un évier, de l'eau, un savon. À l'ancienne. Voilà. C'est trop bon. Avec la chaleur, l'air, je pense qu'il sera sec. Donc j'aurai mon t-shirt demain. Arrêt à la gare de Kazuramimba, à 60 km de l'arrivée. Quand le cuisinier en profite pour acheter une canne à sucre. Ah, ça fait trop du bien de sortir du train un peu quand même. Les deux baroudeurs, eux, s'approchent de la locomotive avec une idée fixe. Demande-lui si on peut monter. Bonjour.
C'est possible de rester un peu avec vous? Oui. Oh, merci. Emwagara conduit cette locomotive d'un autre temps depuis plus de 15 ans. T'as vu ça? Excellent. Tu vois ici, ce papier m'indique que la voie est libre. Il n'y a pas de problème sur les rails, jusqu'à la prochaine station. Donc là, vous savez que tout est OK pour vous? Ouais. Là, tout est OK sur la ligne. Et quelle est votre vitesse maximale? Oh, je peux pousser jusqu'à 80 km/h. Et vous, en France? Vous voulez vraiment savoir? Ouais, bien sûr. Notre TGV roule à 300 km/h environ. 300 km/h. Ouais, c'est ça. C'est très rapide. Ouais. Vivre une telle expérience ce jour-là a une saveur particulière pour Jules. Je pense comme beaucoup de petits garçons, j'avais des trains et j'ai toujours pensé de faire un parcours en train dans une cabine. Ouais, c'est un petit rêve, ouais. J'aurais jamais imaginé être là journée 29 ans. Être dans une cabine de train au fin fond de la Tanzanie pour mon anniversaire, c'est plutôt... C'est cool, hein. Je peux essayer aussi? Ouais, vas-y. Ok, c'est bon, je peux. Again? Ok, it's ok. Juste un coup. Comme ça? Ouais, ouais. It was good. C'était bien? Très bien. Ok. Le prochain. Oui? Suis d'après. Et si ça part, on grimpe. Encore. Ça, c'était moyen. Merci beaucoup. Je peux vous prendre une banane? Juste une banane, ce serait parfait. Pas de gâteau, donc on fait avec les moyens du bord. Non, mais c'est juste pour qu'ils sauvent ces petites bougies. Quand même. Maybe here? And je pense que ça va pas le faire. Non, c'est trop dur. Mais elle est pas mûre. Je réfléchis. Je vais faire un sourire. Voilà, j'ai une idée de faire un sourire. Voilà. Hey, il est pas beau mon petit bonhomme. Hop. You like this? Ça vous plaît? Il est mignon. Je pense qu'il n'a jamais eu un gâteau comme ça de toute sa vie. Ouh. Oh, pas que ça s'éteigne. Ah! Ah merde, c'est éteint! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Sans bougie! Attends, c'est quoi? On va refaire. C'est un gâteau fait maison. Happy birthday to you! Thank you! C'est un gâteau original, non? Ah, c'est très original. Une fin de voyage inattendue, alors que le train atteint lentement Kigoma, son terminus. Ça y est, je vois la gare. On va rien oublier. Je pense pas. J'espère pas. Cette fois, ça y est, on est arrêté. Enfin arrivé, après 3 jours. Et 65 stations. Et 65 stations, ouais. Et 14 heures de retard. Ouais. Comment vous vous sentez là? La salle est un peu fatiguée. Je suis hyper excitée. La grosse aventure commence demain pour moi. Enfin, l'aventure de mon rêve, on va dire. Aller à la rencontre des chimpanzés, les observer et marcher sur les traces de Jane Goodall. Tous les deux, quoi. Ça va être extra. Après avoir traversé toute la Tanzanie sur les rails, demain, les deux globetrotteurs vont enfin rejoindre le parc de Gombe pour essayer d'apercevoir les chimpanzés. En Inde... Guest relations. Service client. C'est presque l'heure du défilé de mode sur les rails. Hello. Are you ready to get vous êtes prête à vous habiller? Oui. All right. May I come Mais in? Pour Catherine, enfiler un sari ne s'improvise pas. Est-ce que c'est trop serré pour vous? C'est un peu serré quand même. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez tenir ça pour moi, s'il vous plaît? Je vais faire un pli ici. It's easier for them to wear it. C'est un sari prêt à porter, parce qu'un sari traditionnel prend énormément de temps à mettre. C'est assez difficile. Donc il faut connaître les petites astuces, mais là, c'est bon. Vous êtes prête? Ah, je suis prête? Ok. J'ai aussi des bindi. Quelle couleur préférez-vous? Le rouge. Ah, le rouge, bien sûr. I
Le couple de Français ne sera pas le seul à briller ce soir. Et voilà, il ne vous manque rien. Tous les passagers sont attendus en tenue traditionnelle dans le wagon-bar. Transformé en boîte de nuit. Ces quatre passionnés d'opéra se laissent emporter par l'ambiance Bollywood. Tous vivent leur dernière soirée à bord. La dernière soirée, donc on s'amuse. Ça nous aide à oublier. Voilà. Vous avez un peu mis à part. Bah oui. Voilà, demain on rentre, c'est un peu triste. Alors donc ce soir, c'est la fête. Ils ne rejoindront leur cabine que tard dans la nuit. Demain, l'arrivée à Mumbai, le terminus, va leur réserver un moment de grande émotion. Et c'est lequel le bateau du coup? C'est celui qui est tout au fond? C'est tout au bout là-bas. Ouais. J'en reviens pas qu'on y va là, ça y est. Oh, j'ai hâte. 3 secondes qu'on va observer des chimpanzés. Bonjour, vous allez bien au parc de Gombe? Oui. Wouhou! Je suis partie pour 2 heures de bateau après 3 jours de train. En Tanzanie, Jules et Marine ont enfin rejoint la destination finale de leur voyage en train. Kigoma, au bord de l'immense lac Tanganyika. Ce bateau typique en bois va leur permettre d'atteindre les rives du parc de Gombe. Ça, c'est le parc, ça, tout ça, là. C'est énorme. T'as l'impression d'être dans le Jurassic Park. Non, mais grave. Tu accèdes à un coin perdu avec des trésors. Et... Enfin, là le voyage en train prend vraiment sa saveur maintenant. C'était assez sport, 3 jours en train. Mais on sait pourquoi on l'a fait. Et là, on est encore plus excités d'être là parce qu'on a fait ces 3 jours-là. J'attends d'avoir les pieds sur terre pour encore plus réaliser. Mais ouais, je commence à réaliser. Ah, c'est cool. Jumbo. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Hussein. Je suis l'un des guides du parc de Gombe. Vous êtes au paradis des chimpanzés. Dans cette jungle préservée, de 56 km carrés, vivent à l'état sauvage une centaine de chimpanzés seulement. Si les chimpanzés entendent mon cri, ils vont nous répondre. Putain, c'est ouf. C'est un truc de ouf, hein. Moi aussi, je veux leur parler comme ça. J'ai le cœur qui palpite. J'observe partout et je croise les doigts. Ça grimpe un peu, ça se mérite. Nous allons devoir grimper, puis descendre. La chance d'observer les chimpanzés n'est que de 50%. Vous allez peut-être les voir, peut-être pas. Attention, s'ils passent tout près de vous, ne les regardez surtout pas dans les yeux. Les chimpanzés sont les rois de cette jungle, donc ne les fixez pas, sinon ils auront l'impression que vous les menacez. Le couple marche dans cette forêt tropicale depuis plus de 3 heures. Je les entends. Ouais, ils ne sont pas loin. Enfilez ce masque. Au cas où on croise les chimpanzés, ça évite qu'on leur transmette nos maladies. Et inversement. On y va ? J'ai peur. On garde des distances, mais on les suit.
On suit les chimpanzés doucement, tranquillement. Croiser le chemin de ces chimpanzés est déjà un petit miracle pour Jules et Marine. Mais ce n'est rien à côté de ce qui les attend au pied de cette termitière. Ils sont en train de manger des termites, c'est ça ? Hein, Jules ? Ils utilisent des bouts de bois. Vous avez énormément de chance de voir ça. Ils utilisent des bâtons comme celui-ci. Like this one. Si ces animaux n'étaient pas intelligents, ils n'arriveraient pas à mettre ce bâton dans le trou. Regardez, ils tournent la branche et enlèvent les feuilles. C'est la preuve qu'ils sont intelligents, puisque comme ça, le bâton peut entrer dans la termitière. Et là, ils mettent le bâton dans la termitière. Et quand ils l'enlèvent, il y a des termites dessus. Et il les mange. Jane Goodall est celle qui a découvert que les chimpanzés se fabriquaient des outils. Et le seul animal au monde qui utilise des outils, c'est le chimpanzé. On n'a jamais été aussi près d'eux, c'est sûr. Je pense que je dois être à 2 mètres 50. Je crois que c'est le plus beau jour de ma vie. Sans rire, je crois vraiment que c'est l'un des plus beaux jours de ma vie. Pendant plusieurs heures, les yeux grands ouverts, Jules et Marine contemplent la petite famille de primates. Le train, ça a le mérite de t'emmener dans des endroits que presque inaccessibles, ou en tout cas coupés du monde. Et on a traversé tout le pays pour arriver là. On s'en souviendra toute notre vie, c'est sûr. Ah, on se souviendra toute notre vie de ce voyage en train, évidemment. Ça y est, c'est fini. Escargot fixe sa coquille. Nous avons 4 valises. Merci. À l'heure de quitter le train, la 50aine d'employés a formé une haie d'honneur pour saluer les voyageurs une dernière fois. Ça, c'est très émouvant. Moi, j'ai jamais vécu un tel départ avec tout le staff là qui, bon, ça, c'est quand même pas mal. C'était une belle aventure? Ah oui, toute cette vue sur l'Inde du Sud, ça ne peut se faire que dans le train. Ça ne peut pas se faire autrement. C'est une expérience unique. Ouais. C'est une expérience unique. En s'éloignant de ce train de prestige, les 4 amis emportent avec eux le souvenir d'un voyage hors du temps.